Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la salle du Krakatoa donc pour cette soirée spectacle avec vos enfants. Alors juste quelques explications pour que le spectacle se déroule au mieux. Alors ce spectacle a été, complètement inventé par Marjorie Dumerc, qui est en formation à l'Institut de formation des musiciens intervenant à Toulouse. Et dans le cadre de ses études, elle doit faire un stage sur le terrain. Et grâce à, en fin de compte, à un conseiller pédagogique, elle a connu donc l'école de 5 après. Elle est venue à la rentrée et elle a proposé donc de monter un spectacle avec certaines classes. Bien entendu, il était difficile d'intégrer toutes les classes de l'école puisqu'on est une grosse école. Donc il fallait absolument qu'elle travaille sur le cycle 1. Donc elle a travaillé avec une classe de grande section et qu'elle travaille aussi sur le cycle 2 et le cycle 3. Donc elle travaille avec la grande section, elle a travaillé avec la grande section de Nathalie Mathieu, avec le CP de Sophie Garrigue, avec le CE2 de Christian et Sophie, avec le CM2 de Christine Bruno, donc monsieur Fro, Christian, qui est déjà présent sur scène. C'est pour ça que c'est moi qui fais le discours, parce que Christian est transformé en acteur. Les hommes n'ont pas le don d'ubiquité, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Donc, alors, Marjorie a inventé l'histoire. Elle a aussi fait donc tout le scénario. Elle est partie d'une histoire de Jules Verne, et donc le docteur Ox de Jules Verne. Elle a fait toute la musique, toutes les paroles des chansons, et toute la mise en scène, ce qui a nécessité énormément de travail. La première partie, en fin de compte de l'année, les enfants ont appris à devenir des chanteurs, des acteurs, et en 3 mois, simplement, ils ont monté ce spectacle qui, à mon avis, sera absolument splendide. Alors, ils sont morts de trouille, ils sont tous entassés derrière la scène. Donc, ce qu'on va vous demander à vous, par contre, c'est une écoute, une très très bonne écoute, parce qu'il y a une partie chantée et une partie parlée. Il y a beaucoup d'enfants qui parlent, il y a des micros, mais il faudra quand même tendre l'oreille. Donc, s'il y a des petits ou des enfants dans la salle, surtout, écoutez bien vos grands frères ou vos grandes sœurs. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Voilà. T'as fini, toi ? T'as fini. Thank you.
cherchez sur une carte des Flandres, ancienne ou moderne, la petite ville de Quiquendone, il est probable que vous ne l'y trouverez pas. Est-elle une cité disparue? Non. Une ville en devenir? Elle existe depuis 900 ans et compte même 2393 âmes, en admettant une âme par chaque habitant. Elle est située à 13,5 km dans le nord-ouest d'Audenarde et à 15,25 km dans le sud-est de Bruges, en pleine Flandre. On y admire un vieux château, un palais de justice, on y entend même à chaque heure un carillon de 5 octaves, véritable piano aérien. À Quiquendone, il ne pleut jamais. Les rayons du soleil font leur apparition pendant que s'installe paisiblement le marché. Enfin, Quiquendone a pour principale industrie la fabrication des crèmes fouettées et des sucres d'orge sur une grande échelle. Elle est administrée de père en fils depuis plusieurs siècles par la famille Van Tricasse. Les Quiquendoniens n'ont besoin de personne. Leurs désirs sont restreints, leur existence est modeste. Ils sont calmes, léthargiques et modérés. Mais récemment, Quiquendone a été le théâtre de phénomènes surprenants, extraordinaires, invraisemblables autant que véridiques. Bienvenue à Quiquendone. Il est
l'éclairage du docteur Hawks. Ah! Eh bien, cela marche. On procède déjà à la production. Et l'usine est entièrement achevée. Où le commissaire Passoff fait une entrée aussi bruyante qu'inattendue. Oh, monsieur Chut, qu'y a-t-il, monsieur le commissaire? Ce qu'il y a, j'ai été témoin d'une altercation. Une altercation? Cela fait bien 100 ans peut-être que ce n'était pas arrivé à Quiquendone. Mais quel est donc ce personnage connu sous le nom bizarre de Dr. Fox? C'est un homme demi-gros, de taille moyenne, un étrange personnage, véritable excentrique échappé d'un volume d'Hoffmann, et qui contraste avec les habitants de Quiquendone. Il est arrivé depuis 5 mois, en compagnie de son préparateur hygiène, un grand sec, maigre, tout en hauteur. Il s'est engagé à éclairer la ville, qui en a bien besoin la nuit, surtout. Aussi, une usine pour la production d'un gaz éclairant avait-elle été installée. Les gazomètres étaient prêts à fonctionner et les tuyaux de conduite circulant sous le pavé des rues devaient peu à peu s'épanouir sous forme de becs dans les édifices publics et même dans les maisons. Expérimentateur.
Enfin, nous allons pouvoir opérer en grand et sur les masses. Pendant les mois qui suivirent, le mal, au lieu de se dissiper, ne fit que s'étendre. L'épidémie se répandit dans toutes les rues. La ville de Quiquendone n'était plus reconnaissable. La place du marché est chaotique. Le règne animal et végétal n'échappe pas à l'épidémie. En effet, les asperges atteignent 2 pieds de hauteur, les artichauts sont gros comme des melons, les choux sont devenus des buissons et les champignons des parapluies. Il faut se mettre à 2 pour manger une fraise et à 4 pour manger les énormes grappes de raisin. Les villageois sont très irrités. Un nouveau conseil municipal se prépare au milieu de l'agitation. Il est 13h. Dans cette
résolution héroïque. Aujourd'hui, il est temps de régler une très grande affaire. Oui! Souvenez-vous, il y a 700 ans, une vache du village de Virgamen est venue brouter l'herbe de notre pré sans même nous demander la permission. Il a tendu trois fois la largeur de sa langue. Un scandale! 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 Oxygène sont en désaccord. Sur la place du marché, le bourgmestre Van Tricasse, très agité et énervé, décide de monter en haut de la tour afin d'élaborer une géostratégie pour attaquer Virgamen. Au fur et à mesure de son ascension, le bourgmestre retrouve son calme. Il devient lucide et contemplatif. Il s'extasie devant la beauté du paysage, en ayant totalement oublié le motif de sa venue. Il redescend. Au fur et à mesure, sa colère et son agitation reprennent le dessus. Il éprouve une poids de plus que d'un lieu élevé, on domine toutes les petitesses humaines. Thank you.
Après l'explosion, Quiquendone était immédiatement redevenue la cité paisible qu'elle était autrefois. Après l'explosion, qui d'ailleurs ne causa pas une profonde émotion, chacun, sans savoir pourquoi, machinalement reprit le chemin de sa maison. Thank you.
Bon, je pense que vous pouvez applaudir encore plus fort Marjorie et vos enfants. Bon, Marjorie, tu ne vas pas échapper au petit discours. Je te passe le micro. Peut-être que les enfants peuvent revenir sur scène. On peut ouvrir le rideau ? Les enfants, vous pouvez revenir ? Non. Ils ne veulent plus revenir. Les enfants, vous venez ? Vous venez là ? Vous venez ? Oxygène, vous venez ? Il y en a encore plein. Il y en a 97 au total. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, les parents, de vous être déplacés jusqu'au Krakatoa de Mérignac. Je sais que c'est loin de chez vous. Merci au Krakatoa de m'avoir prêté cette salle. Merci beaucoup. C'est un confort... Pour nous, les musiciens, et pour les enfants. Je pense que c'est une chance pour eux d'être sur une grande scène comme ça. Merci à l'orchestre, à mes amis musiciens. On peut applaudir très chaleureusement. Je voudrais remercier également toute l'école de Saint-Caprais, tous les enseignants, Sophie pour les CP, Nathalie et Sandrine pour les grandes sections. Sophie et Christian pour les CE2. Et Christine pour les CM1. Sans eux, je ne serais jamais arrivée en fait. Et merci les enfants, merci beaucoup! Merci beaucoup, passez une bonne soirée.